Direction la Côte d'Ivoire. Contestation électorale à Yopougon, la police convoque le directeur de campagne de Michel Gbagbo, proche. Le directeur de campagne du candidat du PPAC à Yopougon a été convoqué au commissariat de police du 16e arrondissement, a-t-on appris ce samedi 30 septembre 2023, de ses proches. Le fédéral PPAC de Yopougon, Kouassi Kouadio Bertin, par ailleurs directeur de campagne du candidat Michel Koudou Gbagbo, a été convoqué au commissariat du 16e arrondissement à Yopougon. Cette convocation fait suite à une conférence de presse tenue le lundi 25 septembre dernier lors de laquelle il a dénoncé le passage injuste d'Adama Bictogo sur la chaîne de télévision NCI en tant que maire élu de la commune de Yopougon, alors qu'un recours a été fait devant le Conseil d'État. Ce samedi 30 septembre, en fin d'après-midi, ils sont encore quelques centaines d'électeurs massés devant les grilles de l'université Pigier, au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. À une heure de la fermeture des bureaux de vote, officiellement prévue à 17h, la fatigue et la colère se lisent sur les visages. Certains d'entre eux sont arrivés très tôt le matin, mais les bureaux n'ont ouvert que dans l'après-midi. Résultat, une foule surchauffée, des policiers débordés et des agents électoraux sous pression.